Je suis Valérie Loiseau, je suis graveur-sculpteur. Et donc, mon travail se tourne essentiellement autour de la nature et du végétal. Donc, c'est une manière de transcrire les émotions que j'éprouve dans le paysage quand je m'y promène. Ce projet de polyphonie chromatique que j'expose à la ferme de Borin est directement en lien avec mon travail. Et depuis 2 ans, j'ai commencé en gravure une approche de la couleur. Donc on va voir, la vision de ce travail va se faire à 2 possibilités, puisque le chemin qui amène à la ferme fait une longueur de 400 mètres. Donc dès le début du chemin, on va apercevoir donc des grands rectangles de couleurs qui sont en fait une évocation des champs qui entourent la ferme. Et plus on va avancer sur ce chemin de la ferme, plus on va apercevoir des traces, des effets de matière qui sont sur la bâche. Et petit à petit, quand on va être à 1 mètre ou 2 mètres de la bâche, là, on va bien apercevoir tous les motifs qui ont été imprimés et qui évoquent les champs de blé, la terre labourée, les couleurs en foule des saisons au fil de la lumière du jour. Donc c'est une manière de un peu revisiter, poétiser de ce que peut être un champ et un territoire agricole. J'ai au préalable, pendant 15 jours, gravé sur des plaques des motifs, plus ou moins abstraits, plus ou moins faisant référence au sillon de la terre quand la machine agricole laboure la terre, ou quand le printemps, les premières pousses arrivent, ou quand le blé est mouvant dans le vent. Donc toutes ces matières végétales, j'ai essayé de simplifier au maximum le motif, de ne pas être dans une représentation illusionniste, mais plutôt dans une impression colorée, et de pouvoir après jouer sur la répétition du motif, puisqu'en gravure, du fait qu'on grave sur un support, on peut démultiplier l'image. J'ai multiplié les impressions jusqu'à ce qu'on perdre le motif, mais qu'on arrive à être dans une vibration colorée. C'est vif, c'est chaud, on sent la connexion, on sent qu'elle a fait du travail sur les écorces, la nature, sur toutes les bandes, dans les détails. C'est beau, ça ambiance, on a du soleil, là, mais je trouve ça top. Ça fait ressortir son boulot, donc c'est génial. Je me rends compte que c'est vraiment réussi, cette idée des matières et des couleurs qui reflètent des champs, enfin, du paysage qu'on a autour de nous. Je suis très très agréablement surprise. J'ai eu l'occasion de la voir travailler tout l'été et de voir évoluer en fait son œuvre. Et c'est vrai que la finalité est magnifique. Voilà. Un rendu qui est magnifique, quoi. Parce que selon comment on se met, ça fait des reflets, enfin des couleurs, enfin des motifs différents. Et... Non, enfin, je trouve que c'est un bon projet.